Dri. Andrea devancé par Yao Frimpong. C'est dans le dos de Samata, mais une possibilité pour Assalé. Roger Assalé qui s'emmène le ballon. Assalé encore. Oh, oh, qui n'est pas passé. Qu'est-ce oh, penalty. Oh, penalty. Penalty pour le TP Mazembe. Une faute sifflée sur Roger Assalé, elle ne paraît pas totalement évidente. Ah bah oui, elle nous surprend tous. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait penalty. On va voir l'intervention ici en prenant le ballon. Alors c'est vrai qu'il y a une deuxième jambe un peu dangereuse qui permet l'un des plus grands avant-centres du continent qui va essayer d'améliorer son total de but et peut-être offrir la coupe au tout puissant Mazembe. On s'en rapproche nettement pour les corbeaux. Le but de Samata à une vingtaine de minutes de la fin, 1-0 enfin contre l'USMA. Qu'il fait du bien ce pénalty. Belgilali qui va déborder, c'est passé. Belgilali en retrait. Oh, c'est manqué, quelle occasion. L'occasion d'égaliser, ils avaient ensuite beaucoup de temps pour remarquer un deuxième. Mais ça ne passe pas et qui s'est jeté. Manqué. Marqué maintenant, ça serait pour se donner plus de regrets parce qu'il n'y aurait pas le temps d'en mettre deux. La contre-attaque. Et le voilà, deuxième. Le et voilà. Voilà peut-être le but définitif. À deux. Et il va vouloir marquer lui. Mais oui, c'est à deux, bien sûr. Samata n'a pas pu dribbler vraiment le gardien pour aller marquer. Et le ballon sur le côté était suffisant pour Roger Assalé, l'international ivoirien qui met son but. Et la fête est totale. Ça fait 2-0. Et le tout puissant Mazembe est champion d'Afrique. Rien à faire pour Mansouri, à 2-1, c'était injouable. Je me demande si Samata n'a pas hésité, il a quand même regardé si un long moment s'il ne pouvait pas la mettre lui-même, mais son dribble n'était pas assez décisif sur Mansouri. Et de toute façon, il savait qu'il avait la sécurité, évidemment, de Roger Assalé. Il peut remercier Samata, il a raison. Oh, carton rouge. Ah, ça va mal terminer, pourquoi carton rouge? Qu'est-ce qui peut se passer alors que c'est la fête pour le TP Mazembe? Que le match est terminé à quelques secondes près. C'est une image tellement formidable de finir sur un but. Pourquoi? Franchement, pourquoi? C'est de la provocation, là qui danse un peu. Mais je oui, sais c'est pas. Ridicule. Oui. Bolinghi là qui fait la fête avec les supporters. Il y a Bolinghi qui était à côté. Il a été bousculé. C'est Ferrat qui a craqué. Il avait déjà un jaune, il prend un rouge direct en plus. Provoqué par Kimwaki. Oui, carton rouge en plus, donc il aura une lourde suspension très certainement. Et ça se termine très mal pour l'USMA qui évidemment a sa défaite en travers de la gorge, mais évidemment rien ne justifie, explique le geste de Ferrat. Même si Kimwaki lui a dit quelque chose, un mot ne doit jamais entraîner quelque chose de physique. C'est l'arme des faibles. Si on a excédé largement le temps additionnel avec 10 joueurs de l'USMA. C'est fini. Le coup de sifflet final. Le tout puissant Mazembe s'impose 2-0. Ça fait 4-1 sur les deux matchs. Le titre sur les deux rencontres est archi mérité. Le tout puissant Mazembe, 5 ans après, retrouve le titre. Champion d'Afrique et c'est la 5e fois de l'histoire des Corbeaux.